Cédric Grossi, vous allez présenter Belgian Gentleman dans le quintet de mercredi à Cagnes-sur-Mer. Le cheval reste sur une 7e place à Vivo. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette course? Bah, ça s'est pas très bien passé. Il était en 3e ligne à la corde. C'est pas un cheval qu'il faut monter en temps des chevaux. Donc, c'est plus un cheval à monter à 3 quarts du leader et qu'il puisse avoir ses aises pour avancer. Donc, une course que vous nous conseillez d'effacer alors? Ah oui. Ben, c'est exactement comme quand il est 4e ou 5e à Saint-Provence, il est en dedans des chevaux, et en dedans des chevaux, il ne va pas avancer. D'accord. Donc, ouais. Donc là, ce sera un retour sur le gazon. Est-ce que ça va bien pour lui, le gazon? Ouais, c'est bien. Plus c'est lourd, mieux c'est. D'accord, ok. Donc, il faut espérer qu'il pleuve, quoi. Ah ben là, il pleut en ce moment, il y a quand même s'il pleut des chevaux, donc à Cannes, j'espère que c'est pareil. D'accord, ok. Donc en plus, il a été baissé d'un kilo sur sa dernière course, il était en valeur 34. Ouais. Qu'est-ce ouais, que tu en penses? Bah, quand il a gagné, il a pris 1,5 kg, donc là, on le met 1 kg parce qu'ils ont vu que, voilà. Donc pour vous, il est compétitif dans ce quintet? Ouais, sinon il ne courirait pas. D'accord, parfait. Donc logiquement, si tout se passe bien, on peut compter sur lui alors? Ouais.